Salut à toutes et à tous, c'est Koinski, on se retrouve sur Civ 6 Gathering Storm avec la France. On va attaquer évidemment Canberra encore à fond. On va essayer de la prendre, peut-être même ce tour-ci. Un petit bombardement. On va y aller à fond, on va ramener l'arbalétrier qui est là. Il peut tirer deux fois. A priori, je vois pas trop ce qui pourra m'empêcher de la prendre. On a pas mal d'unités qui vont attaquer ce tour-ci. On va les faire attaquer de manière à ce qu'elles aient un maximum de bonus de proximité. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller ici. Voilà. Alors, ça donne quoi si je fais ceci? Mais ça marche pas contre les villes, les bonus de contournement. J'avais oublié ce petit détail. Ça devrait quand même, je pense, aller. On va faire attaquer d'abord ceux qui risquent pas grand chose. On va pas faire des masses de dégâts toi par contre. Non, on va attaquer avec la grosse unité d'abord. La plus costaude. Toi également qui est pas mal. Peut-être pas pouvoir prendre la ville ce tour-ci. J'ai encore ce chevalier qui est seulement de niveau 1. Bon, alors si je prends pas la ville ce tour-ci, on va perdre une unité. Parmi ces deux-là, sans doute. Est-ce que c'est grave? Je crois que là, je vais perdre l'unité, mais je vais pas rentrer dans la ville parce qu'elle sera plus vivante. Et du coup, ça sert à rien. Bon, il vaut mieux rester comme ça et perdre une unité. Mais au moins, on prend la ville au tour suivant. C'est pas si cher payé que ça pour prendre la capitale. On n'a pas perdu trop d'unités encore. Non, c'est bien. Et encore une fois, j'ai pas de siège dessus. Pourtant, la cavalerie, ça a une zone de contrôle, il me semble, quand même. Très bizarre. Peut-être qu'il a un effet particulier qui lui permet de ne pas avoir subir le siège. Alors, il y a un truc qui m'échappe. En tout cas, certainement, il y a un truc qui m'échappe, ça, c'est sûr. Alors, toi, hop. Dégage. On a... Oui, lui, on l'a eu il n'y a pas longtemps, donc il est encore bon pour ces navires-ci. Ce navire-là, plutôt. On va réparer ceci avant d'utiliser la dernière charge. On va utiliser ici pour avoir un trio de fermes. Bien. Alors le fait que je prenne ceci me fait penser qu'on va refaire un petit tour du marché, des échanges. Là ça j'ai vraiment trop de doublons, j'en ai trois quoi. Elle veut rien me donner du tout, ok. Ah, d'elle-même non, mais sinon elle veut bien payer un peu quand même. Ok, alors en heure par tour, tu me donnes combien? 10? C'était pas mal. Allez, je vais mettre ça en plus. Elle a 117 or par tour max, hein, donc il y a moyen de lui faire payer pas mal. 26, bien. Ça vaut la peine hein, de temps en temps de refaire le tour. Faudrait le faire en fait chaque fois qu'on a une ressource en plus, évidemment, mais ça peut prendre pas mal de temps. Elle a 113 or par tour aussi éventuellement à offrir. Et j'ai encore pas mal d'exemplaires. Hein. Non, elle va pas vouloir me payer beaucoup. De toute façon, avec elle, c'est mort. La Macédoine, 87 or par tour. Ils sont gavés, les IA, quand même. Hein. Gavés de bonus. On va peut-être simplement essayer de récupérer de la soie et du marbre. Ce serait une bonne chose. Il veut 6, c'est bien. Quoi d'autre? La Norvège. Attendez. 436 or par tour? C'est une blague? Ils me font peur. Ils me font peur. Alors d'un autre côté, j'ai rien à leur donner de plus. Mais c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant.
vais donner ceci. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir 400 ors par tour à ce stade du jeu? C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qui m'a tué là? C'est ici. Un arbalétrier. C'est pas mon bon arbalétrier, je pense. Le bon, il est là. Ok, ça va. Ça va. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être bien pire. Qui peut prendre éventuellement un niveau attaqué? Personne, toi tu es... Le sel n'a pas été trop amoché, on va te faire prendre la ville. Voilà, on a pris sa capitale, mission accomplie. Attention, révolte dans 11 tours, on va mettre un gouverneur dessus. Elle, j'ai envie de la laisser parce que... On va la laisser le temps de prendre Sydney par la loyauté. On pourrait bouger Magnus. Ce que je vais faire. De toute façon, ici, il n'y a plus tant de choses que ça à couper. Et là, on aura pas mal de jungle. On est à plus 22 partout. Donc ça va. Tu vas aller à Canberra. C'est très bien. Et annexer la ville. Oui, ce qui va de toute façon déjà mieux en annexant. Donc... On va toujours le faire avant pour voir le résultat au final. Si je peux lui tuer encore une unité ou deux. Et je pourrais, je pense. Parce que toi, tu peux tirer deux fois. Ce qui est vraiment... Ils deviennent vraiment bons, les tireurs à distance. Déjà, avant, ils sont bons. Hein, c'est des bonnes unités dans le jeu. Alors, quand ils ont la promotion pour tirer deux fois, c'est... C'est juste énorme. On va prendre peut-être le risque de... La bonus de contournement, plus 2. Du coup, c'est mieux. Et ici, j'ai plus 4. Pour être sûr de ne pas perdre cette unité, elle est bien. Voilà, on l'a dégommé autant qu'on pouvait. On va faire une petite pause. On a moins d'unités quand même. On en a perdu quelques-unes. C'est le bon moment pour faire la paix, je pense. Et regardez au niveau des griefs. J'ai pas encore été vérifié, mais... Cette guerre n'a suscité aucun grief, les autres s'en tapent complètement, j'ai l'impression. Et je pense que c'est dû au fait que c'est... On est dans une guerre encore ici d'urgence. Et c'est les autres qui m'ont attaqué en fait, donc je pense que c'est lié à ça. Donc Canberra, Adelaide, Perth et Hobart, ce sont les villes que j'ai prises. Faut pas oublier de demander des CD. Il n'a pas spécialement l'air content. C'est des Adelaide, Perth, Canberra. Hobart, est-ce que je l'ai eu? Elle est tombée par la loyauté, c'est juste. Ok, donc celle-là, c'est bien, on ne doit pas la demander. Bien, on va évidemment, en plus... Oh, j'ai filé tout mon ivoire, en fait, j'en ai plus. Je me suis loupé, là. En plus, on va lui demander, évidemment, tout un tas de trucs... Adelaide, Perth, Canberra, faut pas se louper, c'est bon, ils sont là tous les trois. Des chefs-d'œuvre. Les deux. Plus ceux qu'on a volés dans ces villes, évidemment. Donc là, on est blindé de chefs-d'œuvre. C'est bien. Tout ça, j'ai déjà. On va demander de l'argent. Oh là 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 là. On peut lui demander tout son honneur par tour pendant 30 tours. Plus. Plus tout son or en stock. On est bien là. Peut-être un peu de faveur diplomatique en plus. Oh là là. Pas trop quand même. 20, ce qui est déjà bien. La bonne opération, je trouve, c'est bien. C'est toujours un moment sympa dans les parties, les moments où on... Ah, on détripe un ennemi et qu'on lui prend encore tout après. Ça fait plaisir. Raison de la relation actuelle, ami proclamé. On est ami proclamé encore maintenant?
Non, je pense pas. C'était plus pour de la blague, John, t'inquiète pas. Voilà, de toute façon, on n'a rien à échanger avec lui puisqu'il n'a plus rien à nous offrir. Allez, c'est bien, on va pouvoir se concentrer un petit peu maintenant sur deux choses. Reconstruire notre empire économiquement, ou plutôt prendre le temps de le construire. On a les trois merveilles à construire, rappelez-vous. Et on va essayer de jouer sur la loyauté si on peut. Mais là, il est en âge d'or, donc ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour l'instant. Mais si on travaille bien économiquement, les villes vont prendre de la taille et avoir plus de pression. On essaiera également de mettre des chefs-d'œuvre au maximum. Mais là, clairement, pour l'instant, ça sert à rien. On verra à l'âge suivant, mais ce que j'ai peur, c'est qu'on va avoir du mal. On est en âge d'or, on aura du mal à avoir encore un âge d'or après. Donc mon rôle, ça va être d'essayer vraiment d'éviter d'avoir un âge sombre. Ce serait déjà pas mal. À Amboise, le chantier naval est achevé. On ferait bien une petite plateforme commerciale pour avoir le trio ici qui va rapporter un maximum. On est quand même en taille 9, il serait temps d'aller couper des trucs. Oui, on va faire un bâtisseur. C'est 8 tours, c'est relativement... C'est quoi, on va lui acheter? On va lui acheter Amboise pour qu'elle puisse se développer. Et on va lancer la plateforme commerciale. On a réparé ici, on va venir faire le trio de ferme. À Dijon, c'est le port qui est achevé. Pas de problème d'habitation pour l'instant, le port est là donc. On va quand même faire le phare déjà maintenant ou le greux. On n'aura pas de problème d'habitation ici avant un bon moment. Une zone industrielle, il y en a une là, on n'en fait pas dans cette ville donc. Il faut que je commence à penser à du pain et des jeux comme j'avais dit précédemment. Et donc à placer les complexes de loisirs. Alors, il y en aura un là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui ne vaut pas pour Dijon donc. Ce qui vaut pour Rennes, Hobart et Engarzargamou. J'en voudrais de ce côté-là pour faire de la pression sur les autres villes. Je pense qu'un complexe d'amusement, on va plutôt le mettre du côté de Canberra. Oh, mais il y en a déjà un en fait, cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça vaut pas pour Dijon par contre. Bon, je pense qu'on fera un parc aquatique à Dijon sans doute. On peut déjà le faire. Déjà le faire. Du pain et des jeux, ça vaut pour 9 cases. Donc si on le met sur Dijon, qu'on le met sur Canberra, ça fera déjà pas mal de pression en plus sur Melbourne. On peut tenter le coup. On peut tenter le coup. On a beaucoup de villes pour faire beaucoup de projets différents, donc on peut se permettre un peu de faire ce qu'on veut. Ici, il faut absolument repartir en croissance le plus vite possible. On va réparer le monument, ça ne prend que deux tours, puis le grenier, le moulin à eau. Ah, évidemment, il m'a bloqué, du coup, je suis bloqué de l'autre côté. Est-ce que c'est grave? Potentiellement, il y a encore des endroits sympas pour faire une ville, mais c'est près du volcan ici. Est-ce que c'est grave? Non, mais... J'aurais peut-être dû exiger le libre passage si je pouvais. Je vais accepter parce que comme ça je serai tranquille. Tu vas pour l'instant juste revenir en terrain allié. L'OET et Max, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux voler une optimisation, peut-être l'électricité, pourquoi pas. Plus 12 par tour, donc fomenter des troubles, ça sert à rien pour l'instant, vraiment pas. Mais si je neutralise le gouverneur, il sera hors service pendant 7 tours seulement, donc c'est pas terrible non plus. Hein. Je vais quand même faire ça parce que je pense qu'il y aura moyen de la faire tomber. Plus ou moins court terme, il devrait y avoir moyen.
Je crois que l'homme a fait une grave erreur au début de la révolution industrielle en jetant son... Les usines, ça va être une priorité. Il est difficile de se... Le bonus de production s'applique à chaque centre-ville dans un rayon de 6 cases, rappelez-vous, c'est très très bien. Et puis on va commencer à faire des centrales pour avoir l'électricité et avoir des petits bonus. Donc pour l'usine, c'est plus 3 en production quand même pour l'électricité. Production plus 1 pour les mines, en soi, c'était déjà très très bien. Fallait l'avoir assez vite, mais bon, comme je joue culture, je voulais débloquer tout ce qui était merveille de culture et commencer à les faire. C'est pour ça que j'avais un peu plus traîné que d'habitude par rapport à l'industrialisation. Donc à Amboise, on va couper. Bon, Magnus n'est pas là, on peut pas tout avoir. Ah, on va couper, mais d'abord, on va évidemment mettre des carrières ici, puisque ça va booster la zone industrielle de La Rochelle. Ce qui est top. On va faire le tour des ressources naturelles. On a du charbon là, et c'est tout. Et c'est tout, c'est pas beaucoup, hein. Je suis à plus 6 par tour. Pourquoi est-ce que j'en ai en stock? Je pense que je dois en recevoir également de... Je crois que là c'est plus 3 et que je dois en recevoir sans doute d'une cité-état. Probablement. On va garder l'armée groupée de ce côté-là pour l'instant. J'ai pas assez de troupes pour dire de vraiment vouloir la séparer. Au contraire, on va refaire des unités au fur et à mesure pour pouvoir regrouper en armada. On va essayer de le faire. Bon, l'assainissement, on a besoin de faire grossir nos villes. Ça va être top de faire ça. Ensuite, on verra. Science économique, construire deux banques. J'essaierai peut-être d'avoir le boost avant de le faire, c'est pas si urgent. Je crois que les tours de siège vont tout doucement être obsolètes, mais je ne sais pas si on peut les améliorer en quelque chose. À Melbourne. 23 ici, il n'y a pas de gouverneur. Je pourrais juste fomenter des troubles. Ça monte de combien ici encore? 23 partout. Ça sert à rien pour l'instant. Je vais le bouger. Je vais le bouger. On va aller voir à Brisbane ce qu'on peut faire. Pas grand chose. En fait, les villes qui lui restent sont des villes qu'il a faites plus tard. Je pense qu'il n'a pas encore beaucoup de quartiers dedans. Je crois qu'on peut mettre deux espions à Sydney en même temps. On pourrait peut-être essayer de... Je vais tester de voir si on peut fomenter des troubles ensemble. Et là, à ce moment-là, ça peut commencer à devenir intéressant. On va essayer. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va regarder un petit peu tous les chefs-d'œuvre qu'on a et voir si on peut regrouper. Donc ce qui m'intéresserait bien, c'est de les mettre à Canberra ou Adélaïde, principalement. À Canberra, on a un musée d'art. Voilà, il n'y a rien dedans pour l'instant. Il faut mettre dedans. Sauf si, pour l'Égypte, tu aurais moyen de faire quelque chose. Parce que, en fait, pour l'Égypte... En fait, j'ai envie de laisser un peu tranquille les Égyptiens pour l'instant. Mais regardez, la capitale... Si on fomente des troubles les uns après les autres, si on met des chefs-d'œuvre également en grande quantité... On a Marseille, Akhetaton, Neken... Amboise, La Rochelle. Ça pourrait peut-être être plus intéressant. Akhetaton, on a déjà deux trucs, c'est bon. Et il n'y a rien d'autre. Mais je crois qu'on est en train de construire un musée archéologique. Oui, 6 tours. Progression de l'air, on est combien? 31, 51 tours avant la fin. Il y a moyen de faire quelque chose pour l'Egypte, je pense. Parce que là, elle est déjà prête à être cueillie, en fait. Donc on va plutôt partir là-dessus. Donc on pourra mettre les reliques à Akhetaton.
Il y a un amphithéâtre à La Rochelle. Ici, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh non, c'est bon encore pour Rakedet. 8. Donc on va remplir La Rochelle. Il faudrait récupérer deux chefs-d'œuvre. Je peux prendre peut-être ceux de Rennes. Rennes. Qui est là. Là, ça sert pas à grand chose de laisser des trucs là-bas spécialement. C'est trop loin de tout. Donc voilà, La Rochelle. Paris, non. Enfin, si, Paris, oui, mais c'est déjà... J'ai tout ce que je peux. On a le musée d'art. Et là. Voilà, il y aura le musée d'art à remplir ici. À Paris également, donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on n'est pas bon pour Acadet, donc ça sert à rien, spécialement. Mais il faut quand même le faire, de toute façon, pour les bonus, les autres. On pourra toujours bouger les œuvres plus tard. Ouais, on va s'occuper de la capitale égyptienne. Ce serait vraiment cool de pouvoir faire switcher une capitale. Hein. On n'est qu'à plus 1 par tour et en fait je pense qu'on va peut-être même bouger. En fait je devrais complètement me mettre dessus. J'aurais pas dû mettre les espions là du coup. On peut annuler la mission cela dit. Voilà, on va le bouger. Hop. Je me permets de partir un petit peu sur l'Égypte maintenant parce que l'Australie n'est plus trop une menace maintenant. On reviendra dessus après. Et puis, c'est un peu compliqué avec son âge d'or. Bien. On continue. N'Gazargamou. A achevé l'université, ça c'est très très bien, très très bien. Donc je n'ai que le campus pour l'instant. On a du charbon ici aussi. On n'a que l'université. C'est une ville qui va être bien productive. Je ferais bien quand même un port ici pour avoir une possibilité de faire une navy quand même. Je vais l'indiquer. Logiquement ici. Trouve le... Voilà. Je pense qu'à terme j'en ferai un là, probablement. On a le truc industriel. La zone industrielle, elle est là en fait, elle n'est pas chez lui, ok. On pourrait faire une place de théâtre supplémentaire. Hein. Mais... Est-ce que c'est vraiment le plus utile? Et alors au niveau des loisirs, là ce sera bon. Ok. Je ferais bien un campement pour avoir une ville militaire de plus. On pourra produire des navires sans doute pas mal. Toute la production qu'on a ici, ça va être pas mal. Hein. Pour l'instant, on a que 5 citoyens, mais quand on aura beaucoup plus, on va produire beaucoup ici. Oui, on va le faire ainsi. Très bien. La nourriture pour perte à Adélaïde. On a achevé la plateforme commerciale, il faut réparer ça éventuellement, je m'en tape un petit peu. Deux de production quand même. Réparons le marché et ceci. Parfait. Sun Tzu, c'est donc jusqu'au Moyen-Âge seulement. Je pense que maintenant on peut l'utiliser. On peut utiliser sa capacité de création de l'art de la guerre. Et je vais le mettre. Pour l'instant, on n'a pas de place ici. De toute façon, c'est un écrit. On a rempli tout ce qu'on pouvait au niveau des écrits par là. Donc mettons-le pour l'instant à Canberra. Les guerriers victorieux gagnent.
Allez, c'est bien. On continue. Ah, mais c'est pas encore chez moi, là. J'ai mal lu le... truc. Pourrait dépenser, hein. Ça va bien booster quand même La Rochelle si j'achète ces deux cases, mais ça va être très très cher. Ça va faire 150 plus 150, donc plus 225 ici. Ah mais non, celle-là, je peux même pas l'exploiter en fait. 1, 2, 3. Si, je suis là. 1, 2, 3, c'est bon. Ah. On gagne 157 par tour, on peut se permettre. Ça est financé par l'Australie. Hein. C'est le nationalisme qui crée les nations, et pas le contraire. Production plus 50% pour l'unité de combat rapprochée à distance et anti-cavalerie. Je vais peut-être la remettre à un moment donné, mais pas maintenant. On le fera quand on refera son notre armée. On va pouvoir rassembler les unités. Hein. Pour l'instant, on va laisser tout comme ça. Sauf que j'ai vu que le savant illustre, le prochain, il m'intéresse, je veux être sûr de l'avoir. Et le marchand illustre, pas du tout. Et on va, j'ai besoin d'œuvres d'art, on va mettre les points d'artiste illustre. Regardez, le personnage illustre en science, c'est Charles Darwin. Science plus 500 pour chaque case de merveille naturelle dans un rayon de une case. Et je vais l'avoir a priori sans problème. Je pourrais l'acheter avec la foi. Hein. En règle générale, j'achète avec la foi quand vraiment c'est ce que je veux très fort, d'une part, et que d'autre part, je sais que je ne les aurai pas si je les achète pas. Mais là, je vais l'avoir, donc on va garder notre foi bien tranquille pour d'autres choses. Je dis ça parce que j'ai eu la question dans les commentaires. Construction instantanée d'usine d'un atelier dans ce quartier, ça c'est pas mal non plus. A priori, c'est moi qui l'aurai également. Production plus 2 pour les usines. Hein. C'est bien, ça. Celui-là, peut-être que je voudrais même l'acheter pour l'avoir le plus vite possible. Chariot de foin. Révolte dans 2133 tours. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on est en négatif. On va neutraliser le gouverneur, ça va descendre encore plus vite. Et je peux faire un espion supplémentaire, donc on va pas se priver, on va le construire dès que possible. Ici par exemple. 14 tours, mais... J'aurais dû mettre la carte qui booste les espions. Alors Pingala est de retour. Je le renvoie à Paris. On est en train tout doucement de rattraper John au niveau de la culture, mais John il va plus produire beaucoup maintenant. L'urbanisation en quartier résidentiel, on va en avoir besoin. J'aurais pas le boost, la population de 15, j'en suis trop loin. Et on obtient Ludwig van Beethoven, créer un chef-d'œuvre musical, ok. J'aurais pas spécialement d'endroit pour les mettre pour l'instant, mais je suis en train de faire les merveilles qui me permettront de les mettre. 18 tours pour le Bolshoï à Rennes. Pour l'instant, j'ai rien. On va déjà le mettre là, on a confiance. Alors, le bâtisseur. Logiquement, ici, je ferai des castels. Si on arrive à terminer l'ermitage, mais j'en suis pas sûr pour l'instant. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je devrais acheter la case ici pour avoir le charbon. Ça va faire une mine intéressante pour... non seulement pour avoir du charbon, vous allez dire j'en ai assez, mais c'est pour la production de Rouen. 10 tours. On prendra une autre case. La caravelle, on va la mettre ici en surveillance du port.
plus que 10. Là, je vais pas pouvoir l'acheter par contre. Et en deux tours, je peux l'acheter. J'aurais dû mettre la carte qui réduit les coûts d'achat des cases, mais on peut pas toujours tout prévoir. Ça va être chaud de pas avoir un âge sombre, hein. Oh là là, on a trop de points à faire en fait. Pushkin. Plus vraiment de place par ici de toute manière. Donc, où est-il? On va le mettre à Rennes pour l'instant. Je peux pas parce que... Allez. On va y aller à pied, c'est pas beaucoup, pas très loin. Allez, on lâche rien, c'est bien parti pour le moment. Bienvenue au Congrès mondial. Souveraineté. Alors, on verra ça ensemble la prochaine fois. Je vais faire la pause ici, ça fait une demi-heure. Comme ça, j'ai le temps de bien regarder le congrès et de vous dire les choix que j'ai faits. On va gagner en fluidité pour le début de la vidéo prochaine, ce sera bien. Et voilà, je suis content. On va essayer de lancer des projets du pain et des jeux si on peut pour faire tomber Rakedet. Supprimer le gouverneur également, ça devrait suffire en fait pour qu'on subtilise la capitale aux Égyptiens. Ça, c'est vraiment... ça va faire vraiment plaisir. Je ne dis pas qu'il y a grand chose qui m'intéresse, mais on va quand même récupérer ici une plateforme commerciale. Un peu de culture via les sphinx. Et la merveille ici des jardins suspendus. Et une place du théâtre aussi. Donc quand même très utile. Et un port. Donc c'est pas mal. C'est quand même la capitale. Elle devrait être pas mal. On a 12 de population en plus. Très très bien. Je vous souhaite une belle continuation. Salut à tous.